Pixcom présente les grandes entrevues du 25e anniversaire de Pixcom avec Pierre-Paul Paquet. Aujourd'hui, je reçois en entrevue Jacqueline Bouchard, président du conseil d'administration, président, fondateur et chef de l'innovation de Pixcom. Mais avant de faire ça, prenons le temps de faire un bref retour en arrière. En 1989. Pour certains, 1989, c'est l'année de la chute du mur de Berlin. Pour d'autres, c'est l'année de la sortie du film tant attendu Ghostbusters 2. Mais pour Pixcom, 1989, c'est l'année de son premier Gémeau. Et de son deuxième. Le premier pour l'émission Lumière, qui est une meilleure émission d'information ou de service animée par Elisabeth Paradis et Guy Richer. Et son deuxième, encore Lumière! Mais pour musique originale toute catégorie, Michel Cusson, Alain Caron et Paul Brochu, du groupe jazz fusion UZEB. Ainsi, au cours de ses 25 années d'existence, grâce à des artisans et à des productions telles que Des jeux, des rôles, des secrets... Ah non, c'est ça! Apparence! Vertige! Les pieds dans la marge! Il est pas laminé, lui? Ils sont tous roulés! Ah non, il y en a un! Aveu! Aveu! Les choix de Sophie! Banzai! Et Insectia! Pixcom s'est mérité un grand total de... Faut que j'y compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 60... Je l'ai-tu compté, lui? Ah, je suis toute mêlée. Ça se peut-tu, ça, 1400? 1400? Ça se peut pas, hein? Faites juste me le dire, là. 72 prix Gémeaux! Mais revenons maintenant... à maintenant! Puisque c'est au dernier gala des prix Gémeaux que Pixcom a fait sa meilleure récolte, lorsque ses séries Vertige, Apparence et Maison de fous ont raflé combien de prix Gémeaux? Jacqueline Bouchard, président du conseil d'administration, président, fondateur et chef de l'innovation de Pixcom? 13. Eh bien, Jacqueline Bouchard, président du conseil d'administration, président, fondateur et chef de l'innovation de Pixcom, je vous dis félicitations. Et je vous dis aussi désolé, parce qu'on n'a plus de temps. À cause de ma présentation. Et de votre titre aussi, qui est long. Et que j'ai dit trois fois. Mais ça a bien été.